Donc aujourd'hui, nous prierons. Je prie que la main de Dieu soit avec vous. Alors, je vais demander à toute personne qui parle en langue, toute personne qui prie en d'autres langues, même si vous ne priez pas en d'autres langues, je prie que vous vous engagez dans la prière. Nous allons passer 5 à 10 minutes dans la présence de Dieu et nous allons prier que le ciel s'ouvre afin que tous les miracles que le ciel a prévus se passent dans vos vies. Nous allons prier que la main de Dieu soit enclenchée et que toutes les affaires que vous engagez voient le jour et que cela s'accomplisse. Et que vous voyez la finalité de cela, que cela produise un fruit pour vos familles. Nous allons prier pour cela. Nous allons prier et nous allons intercéder. Nous allons déclarer la main de Dieu. Maintenant, nous demandons, engagez-vous dans la prière avec nous au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ. Paradosé caravazo baie tarabaché, repraso kabaraba, repraso kivarabado sentire débauché, ramadavazé carabadodo sabarababobo, remaso kiabaro sabarabo sekiribo, remababaso carabaché, repraso kiravarabazo kiaba, remabababaso kirabazo kiabaraba. Ramase karabaro, rabababa se kerebo shatarabake, ramabo se karaba, apro se karaba, et praso karaba. C'est le Dieu qui n'a point changé. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui relève les morts. Il relève les gens qui sont les paralytiques. Il ressuscite tout ce qui est mort. Il fait que des enfants sortent des ventres qu'on a dit qui sont des ventres stériles. C'est ce Dieu qui ressuscite les comptes bancaires des gens. C'est celui qui ressuscite la vie des gens. Il ressuscite la santé des gens. C'est le Dieu qui n'a point changé. C'est lui qui a la pensée, qui a la puissance de pouvoir renouveler tout ce qui a été mis comme ancien. Tout ce qui a été mis à part. Tout ce qui a été poussé vers la fin. Tout ce qui a été poussé de côté, il les ramène, il les met à l'ordre du jour, il les ramène à l'ordre du jour. Ceux qui avaient été délaissés, ceux qui avaient été proclamés comme des vauriens, comme des bonariens, ceux qui avaient été, ceux qu'on avait ri d'eux, Dieu les restaure et il les positionne. Je prie maintenant pour toute personne qui regarde cette vidéo, pour toute personne qui nous regarde maintenant, je prie que la main de Dieu te relève, que la main de Dieu te relève, en faveur de Dieu te relève, que la puissance de Dieu se fasse sentir dans ta vie. Je prie que l'onction se remplisse maintenant. Je prie que l'onction de Dieu te couvre comme un manteau et que partout où tu entres, qu'on sente qu'il y a un Dieu avec toi, qu'on sente qu'il y a du surnaturel qui marche avec toi. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes qui sont enchaînées. Je prie pour toutes les personnes qui sont enchaînées. Que la main de Dieu, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la puissance de Dieu se déploie dans vos vies. Je prie pour toutes les personnes qui ont des affaires bloquées. Je prie pour toutes les personnes qui sont engagées dans les affaires. Et les affaires aujourd'hui sont retournées mortes. Je prie maintenant. Je ressuscite ces affaires. Je prie que ces affaires reviennent à l'existence. Que ces affaires ressuscitent. Que ces affaires reviennent à la vie. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je prie que la faveur, la grâce de Dieu se déploie dans vos vies. Je prie que la main de Dieu soit à l'œuvre maintenant. Afin que vous voyez la finalité de tout ce que vous engagez. La Bible ne dit-elle pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je prie que la main de Dieu te fasse voir la finalité de tout ce que tu engages. Au nom de Jésus, que ce soit affaire, que ce soit mariage, que ce soit école, que ce soit travail, que la main de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Je prie que la main puissante de Dieu fasse que si tu perdais ton travail à chaque moment, que ce travail soit maintenu maintenant au nom de Jésus. Que la main de Dieu te maintienne, que la main de Dieu te maintienne au nom de Jésus. Je prie que le feu de Dieu consume tout ce qui a été fait contre toi, tout ce qui a été fait contre toi, que le feu de Dieu consume au nom de Jésus Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ, il est ressuscité. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Christ est Seigneur. La Bible dit qu'il a dépouillé la mort et les œuvres. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. Alors je prie que le triomphe t'accompagne. Je prie que le triomphe t'accompagne au nom de Jésus. Je prie que la réussite, le succès, l'avancement, la percée, la grandeur soit pour toi au nom de Jésus. Je prie que pendant que tu regardes cette vidéo, que le Saint-Esprit t'affecte maintenant, que la puissance de Dieu t'affecte, que la main de Dieu traverse comme un courant électrique et qu'il renverse tout ce qui a été fait contre toi. Je prie pour toutes les destinées qui avaient été enterrées, pour toutes les destinées qui avaient été arrêtées, pour toutes les destinées qui avaient été arrêtées. Je les appelle à
l'existence. Ces destinées sortent de l'eau maintenant. Au nom de Jésus. Ces destinées sortent de l'eau maintenant. Au nom de Jésus Christ. Ces destinées sortent d'où elles avaient été enterrées. Est-ce si elles avaient été brûlées? Je prie qu'au nom de Jésus Christ, elles reviennent d'où elles sont parties. Au nom de Jésus Christ. Au nom suprême de Jésus Christ. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous bénissons le nom suprême de Jésus-Christ. Nous élevons le nom de l'Éternel des armées. Nous magnifions ton nom. Nous magnifions le nom de l'Éternel. Nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous rendons grâce, Père. Nous bénissons ton nom. Nous te célébrons, nous te magnifions. Nous te glorifions. Je prie pour toutes les personnes. Je prie pour leurs familles. Je prie pour leurs affaires. Je prie pour leurs affaires. Ta parole dit que tu répandras de ton esprit sur tes serviteurs et tes servantes. La Bible dit que Seigneur, tu répandras de ton esprit sur même leurs serviteurs, sur leurs servantes. Je prie pour toutes les personnes qui travaillent dans la maison. Pour toutes les personnes qui travaillent dans la maison. Pour toutes les personnes qui travaillent dans la maison. Que ta grâce, ta gloire soit sur eux. Seigneur, tous ceux qui travaillent dans leurs affaires, tous ceux qui vont à l'école avec eux, je prie que tu les bénisses. Que toute personne qui regarde cette vidéo soit une bénédiction pour sa famille et une bénédiction pour son environnement. Au nom de Jésus-Christ, tu travailles dans un service. Je décrète que tu sois une bénédiction pour le travail et qu'à cause de soi, le chiffre d'affaires prospère. Que le chiffre d'affaires aille en décollant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, la gloire, la puissance, la main de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste dans vos vies. La puissance de Dieu vous accompagne. L'onction de Dieu est avec vous maintenant. Je prie que le doigt de Dieu vous touche là où vous êtes. Au nom suprême de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Cela est fait, cela est scellé. Au nom de Jésus-Christ, croyez, croyez fermement. Ayez une foi inébranlable que cela a eu lieu. Cela s'est passé. Ayez une foi inébranlable que cela a eu lieu. Au nom de Jésus, que cela a eu lieu. Que cela a eu lieu. Ayez une foi inébranlable. Inébranlable, que cela a eu lieu au nom de Jésus-Christ. Cela est intervenu, la main de Dieu est intervenue, la gloire de Dieu vous accompagne, la nuée de Dieu est avec vous et tout ce qui avait été fait contre vous a été annulé au nom suprême de Jésus-Christ. Car il n'y a aucun nom sur la terre, sous la terre, dans le ciel, quel que soit le lieu auquel vous pouvez penser, il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour le salut des hommes. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alors je prie que le feu, la main, la grâce, la faveur de Dieu continue d'être avec vous et la gloire de Dieu est dans vos maisons. Shalom, shalom, shalom. Je bénis Dieu pour vos vies. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je voudrais juste vous rappeler que nous sommes en ligne, nous demeurons en ligne. Et depuis que nous avons commencé cette vidéo, nous avons reçu plein de messages, beaucoup de messages inbox pour des sujets de prière. Nous avons, comme j'ai dit, nous prions déjà pour vous et nous sentons, nous savons que la grâce et la faveur de Dieu est avec vous. Nous avons reçu des textes, messages et nous avons vu des appels en absence, mais pendant que nous étions au travail. Alors je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Si vous appelez que nous ne décrochons pas en même temps, cela signifie que sûrement nous sommes au boulot, nous sommes au travail. Mais nous vous assurons que nous retournerons vos appels et nous répondons à tous vos messages. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Merci que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. Je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, Dieu bénisse vos affaires, Dieu bénisse tout ce dans quoi vous engagez. Encore une fois, vous aurez le numéro WhatsApp qui va s'afficher juste au bas de l'écran. Vous avez besoin de support, de prière. Nous sommes en ligne, nous sommes là, nous sommes disposés à prier avec vous, à chercher la face de Dieu avec vous. Et nous serons là inbox au cas où vous avez des choses que vous avez besoin de comprendre ou des personnes avec qui vous voulez prier. Nous sommes disponibles. Juste envoyez-nous un message inbox, envoyez-nous un message sur WhatsApp ou appelez-nous sur WhatsApp. Nous serons disponibles. Et la dernière chose que je dirais, ce sera de vraiment vous rappeler que vous êtes libre de partager ces vidéos avec quelqu'un, quelqu'une qui en a besoin, un parent, un ami, un frère, une sœur qui est dans le besoin, qui a besoin d'écouter ces paroles fortes, qui a besoin d'écouter ces prières pour relever son mental, pour relever son moral. Je prie que vous partagez ces vidéos, que la main, la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom chez vous. Dieu vous bénisse. Chrétien Miss TV, toujours avec vous, votre chaîne d'impact et de réveil des nations. Que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Shalom.